Bonjour, on continue la lecture de notre livre Finances d'entreprise, théorie et pratique de l'entreprise tunisienne. Merci de faire un like et de s'abonner à ma chaîne. Chapitre 12. Analyse financière des marges. Les risques. Dans ce chapitre, nous comparerons tous les coûts de l'entreprise et les principaux indicateurs de profit en pourcentage des ventes ou de la production pour les entreprises qui connaissent des fluctuations importantes de leur stock de produits finis et de travaux en cours. Le but de cette analyse est d'éviter d'extrapoler dans le futur le taux de croissance des bénéfices enregistrés dans le passé. Les bénéfices et les ventes peuvent ne pas croître au même rythme simplement en raison d'un effet conjoncturel accentué par la structure des coûts de l'entreprise. C'est ce que nous allons examiner plus en détail dans ce chapitre. Fonctionnement du levier opérationnel, l'effet point mort. Le levier d'exploitation relie la variation de l'activité mesurée par les ventes à l'évolution des résultats soit le bénéfice d'exploitation, soit le résultat net. Le levier d'exploitation dépend du niveau et de la nature du seuil de rentabilité. Définition et calcul du seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité est le niveau d'activité auquel le revenu total couvre les coûts totaux. Avec des affaires tournant à ce niveau, les revenus sont donc nuls. Avant de pouvoir calculer le seuil de rentabilité, il est indispensable de diviser les coûts en coûts fixes et variables. Ce classement dépend de la période considérée. Par exemple, il est légitime de dire que, à long terme, tous les coûts sont variables, quelle que soit leur nature. Si une entreprise est incapable d'ajuster sa base de coûts, ce n'est pas une entreprise viable. À très court terme (moins de trois mois), la quasi-totalité des coûts fixes, à l'exception d'un coût direct (c'est-à-dire première), la relation suivante est à considérer le résultat net. Est égal au chiffre d'affaires moins les coûts variables et les coûts fixes. C'est-à-dire Rn est égal à CA moins coûts variables plus coûts fixes. Sachant que CA est égal à Q fois P et CV est égal à Q fois V avec les quantités produites et vendues, P le prix de vente unitaire moyen et V le coût variable unitaire moyen. En d'autres termes, Rn est égal à Q fois P moins Q fois V moins Cf. D'où Rn est égal à Q facteur de P moins V moins Cf. PV est la marge sur covariable unitaire. Donc, si V est égal à P, l'entreprise aura un chiffre d'affaires égal à son coût fixe et son résultat sera égal à zéro. Dans ce cas, on dit que l'entreprise a atteint son seuil de rentabilité, son point mort, ou encore son chiffre d'affaires critique. Si l'entreprise n'atteint pas, pas l'équilibre libre, c'est-à-dire des ventes insuffisantes, l'entreprise enregistre des pertes. Si l'entreprise dépasse son seuil de rentabilité, elle génère un bénéfice. Donc cette relation qui est égale, le résultat net est égal à Q facteur de P moins V moins CF, c'est le chiffre d'affaires critique. C'est-à-dire si on met Rn est égal à 0, donc on aura la marge sur coût variable ce qui est euh, Q, facteur de P moins -V, v, est égal au coût fixe. C'est la quantité. C'est la quantité. Okay. Qui, qui donne un résultat égal à zéro, c'est ça ce qu'on appelle le chiffre d'affaires critique ou le point mort. le seuil de rentabilité d'une entreprise dépend de sa structure d'éco. Gra présentation graphique de seuil de rentabilité. Dans une perspective à moyen terme, certains coûts peuvent être considérés comme variables. Par exemple, le frais de personnel indirect. Le seuil de rentabilité ne peut pas être défini en termes absolus. Elle dépend avant tout de la durée de la période considérée. Il diminue généralement à mesure que la période en question augmente. Nous avons dit que le seuil de rentabilité est encore le point de mort et le niveau de vente ou encore le chiffre d'affaires critique qui donne un résultat net nul, c'est-à-dire que Rn est égal à Q facteur de P mauvais moins CF est égal à 0, Q facteur de P mauvais est égal à CF, c'est-à-dire Q est égal à CF moins euh, CF sur P mauvais ou encore P mauvais est égal à CF sur Q. On effet, la marge sur le coût variable, n'est autre que le coût fixe divisé par la quantité vendue, euh, la quantité de vente, du chiffre d'affaires critique. Le seuil de rentabilité peut être représenté graphiquement comme suit. Donc voilà le graphique du seuil de rentabilité. Donc on a le chiffre d'affaires et on a les coûts fixes. Et la partie rouge, c'est les pertes. Et dès que la marge sur coût variable serait égale au coût fixe, on a l'intersection. Et qu'on commence à réaliser des bénéfices, c'est la partie bleue. La figure ci-dessus simplifie plutôt les choses. En effet, les coefficients ne sont pas fixes, quel que soit le niveau d'activité. Ils sont fixés par gamme d'activité et augmentent ou diminuent par palier. Trois seuils de rentabilité différents. Le seuil de rentabilité peut être calculé avant ou après les versements aux bailleurs de fonds de la société. En conséquence, trois seuils de rentabilité différents peuvent être calculés. L'équilibre opérationnel qui est fonction des coûts fixes et variables de production de l'entreprise qui détermine la stabilité du résultat opérationnel L'équilibre financier qui prend, compte, qui prend en compte les charges d'intérêt supportées par l'entreprise qui détermine la stabilité du résultat avant-pour et les éléments non-recurrents. Le seuil de rentabilité totale. Qui tient compte de tous les rendements exigés par les prêteurs et les actionnaires de l'entreprise. L'équilibre opérationnel est un concept dangereux car il ne tient pas compte de tout retour sur le capital investi dans l'entreprise, tandis que l'équilibre financier est sous-estimé sur réelle car il ne reflète aucun retour sur fonds propres qui est à la base de toute création de valeur. Par conséquent, nous recommandons au lecteur de calculer le seuil de rentabilité auquel l'entreprise est en mesure de générer non pas un bénéfice net nul, mais un bénéfice net positif suffisamment élevé pour fournir aux actionnaires le rendement dont ils ont besoin. À cette fin, nous devons ajuster la base de coût de l'entreprise par le bénéfice avant impôt attendu par les actionnaires. Au-delà de ce seuil de rentabilité, l'entreprise pourra générer du profit, mais ne satisfera pas totalement les exigences de rentabilité de ses actionnaires. Les arts d'intérêt représentent un coût fixe à un niveau donné du chiffre d'affaires et donc des exigences de capital. Une entreprise qui connaît une volatilité importante de son résultat opérationnel peut ainsi compenser en partie cette instabilité par des charges financières modestes, c'est-à-dire en poursuivant une stratégie d'endettement limité. En tout état de cause, l'instabilité du résultat est plus importante pour une entreprise de 13 du fait de sa charge financière qui représente un coût fixe. Une analyse plus fine donne un meilleur aperçu. Analyse des situations passées. L'analyse de seuil de rentabilité, également connue sous le nom d'analyse coût-volume-bénéfice, peut être utilisée à trois fins différentes. Analyser la stabilité des bénéfices en tenant compte des caractéristiques du marché et de la structure des coûts de production, évaluer la capacité bénéficiaire réelle d'une entreprise pour analyser l'écart entre les prévisions et les performances réelles. Analyse de la stabilité des revenus. Ici, le niveau de seuil de rentabilité en termes absolus importe beaucoup moins que la position de l'entreprise par rapport à son seuil de rentabilité. Plus une entreprise est proche de son seuil de rentabilité, plus la stabilité de ses bénéfices est élevée. Lorsqu'une entreprise est proche de son seuil de rentabilité, une petite variation des ventes entraîne une forte variation de son bénéfice net. De sorte qu'un fort taux de croissance des bénéfices peut simplement refléter la proximité d'une entreprise avec son seuil de rentabilité. Et variation de la capacité bénéficiaire normale. Le levier d'exploitation qui accélère le rythme de croissance ou de contraction des bénéfices de l'entreprise déclenchée par des changements dans ses performances commerciales signifie que l'importance de l'analyse des marges basées sur le compte résultat doit être relativisée. La raison en est qu'un niveau exceptionnellement élevé de bénéfices peut être attribuable à des conditions exceptionnellement bonnes qui ne dureront pas. Dans ces conditions, une bonne performance n'est pas nécessairement synonyme d'une rentabilité structurelle élevée. Par conséquent, une évaluation de la capacité bénéficiaire d'une entreprise découlant de ses moteurs structurels de rentabilité doit prendre en compte le levier opérationnel et les tendances cycliques. C'est-à-dire, sommes-nous actuellement dans une phase d'expansion du cycle Analyse de la variance. L'analyse de seuil de rentabilité aide les analystes à tenir compte des différences entre les performances budgétisées et celles réelles d'une entreprise sur une période donnée. Analyse stratégique. Stratégie industrielle. Le seuil de rentabilité d'une entreprise est influencé par sa stratégie industrielle. Un grand nombre d'entreprises opérant dans des secteurs cycliques, ont commis l'erreur de relever le seuil de rentabilité par de lourds investissements. En effet, elles auront dû chercher à atteindre le levier d'exploitation le plus faible possible et surtout la structure de coût la plus souple possible pour limiter les effets de fortes variations d'activité sur leur rentabilité. Par exemple, l'intégration s'est souvent révélée être une erreur coûteuse dans le secteur de la construction. Seules les entreprises qui ont maintenu une structure de coûts allégée grâce à une stratégie d'externalisation ont pu survivre au cycle successif d'expansion et de récession du secteur. Dans les secteurs à forte intensité capitalistique et à coûts fixes élevés, papier, du métallique, ciment, il est dans l'intérêt des entreprises de recourir au financement par fonds propres. Ces financements n'accentuent pas l'impact des aléas de leurs ventes sur leurs résultats nets par l'effet de levier de l'endettement, mais atténuent au contraire leur impact sur les résultats. Une analyse de rentabilité permet de faire le lien entre stratégie financière et stratégie industrielle. Lorsqu'une entreprise se trouve dans une situation difficile, sa meilleure stratégie financière consiste à réduire son seuil de rentabilité financière en levant de nombreux fonds propres plutôt que des capitaux d'emprunt, car ces derniers augmentent en fait son seuil de rentabilité comme nous l'avons vu. Si les perspectives de son marché indiquent une forte croissance des ventes à long terme, une entreprise peut décider de relever le défi et d'investir en se faisant et relève son seuil de rentabilité, rentabilité tout en conservant une marge de manœuvre importante. Elle peut ainsi décider de s'endetter davantage. La seule véritable différence en, ter en termes de coûts entre le financement par emprunt et par fonds propres peut être analysée en termes de seuil de rentabilité d'une entreprise. Restructuration. Lorsqu'une entreprise tombe en dessous de son seuil de rentabilité, elle sombre dans le rouge. Elle ne peut revenir au noir qu'en augmentant ses ventes, en abaissant son seuil de rentabilité ou en dopant ses marges. Augmenter ses ventes n'est une, euh, une possibilité que si l'entreprise dispose d'un réel poids stratégique sur son marché. Sinon, il ne fait que retarder l'inévitable. Les ventes vont croître, au détriment de la rentabilité de, de, de l'entreprise, créant ainsi une illusion d'amélioration pour un temps, mais précipitant inévitablement des problèmes de trésorerie. Abaisser le seuil de rentabilité implique de restructurer, de restructurer les opérations industrielles et commerciales, par exemple modernisation, réduction des capacités de production, réduction des frais généraux. Le danger de cette approche est que la direction peut tomber dans le piège de croire qu'elle qu euh, qu ne fait que réduire le seuil de rentabilité de l'entreprise alors qu'en réalité elle réduit son activité. Dans de nombreux cas, un cercle visieux s'installe car les mesures prises pour abaisser le seuil de rentabilité déclenchent une contraction importante de l'activité, obligeant l'entreprise à abaisser davantage son seuil de rentabilité, provoquant ainsi une nouvelle contraction de l'activité et ainsi de suite. Voir Blackberry ou Yahoo comme exemple. Analyse des risques conjoncturels. Comme nous l'avons dit précédemment, il n'y a pas de seuil de rentabilité absolu. Il y a autant de seuils de rentabilité que de périodes d'analyse. Mais avant tout, le seuil de rentabilité est un concept dynamique plutôt que statique. Si les ventes chutent de 5%, les formules mathématiques suggèrent que les revenus peuvent baisser de 20%, 30% ou plus, selon les circonstances exactes. En fait, l'expérience montre que les bénéfices chutent généralement beaucoup plus que ne prédit l'analyse du solde de rentabilité. La contraction des volumes du marché s'accompagne souvent d'une guerre des prix, entraînant une baisse de la marge de contribution. Dans cette situation, les coûts fixes peuvent augmenter car les clients sont plus lents à payer. Les stocks s'accumulent, ce qui entraîne une augmentation des charges d'intérêt et des provisions d'exploitation. Tous ces facteurs peuvent déclencher une réduction des ventes plus importante que celle qui implique les formules mathématiques de l'analyse du seuil de rentabilité. Lors du ralentissement cyclique, les marges de contribution ont tendance à diminuer, tandis que les coûts fixes sont souvent plus élevés que prévus. Par conséquent, le seuil de rentabilité augmente, tandis que les ventes diminuent, comme le montrent de nombreux exemples récents. Toute prévision sérieuse nécessite donc une modélisation basée sur une analyse approfondie de la situation. De l'analyse à la prévision, le concept de marge normative. Une grande partie de l'analyse des états financiers des périodes antérieures est effectuée dans le but de, réparer, de préparer des projections financières. Ces prévisions sont basées sur le passé de l'entreprise et les décisions prises par la direction. Cette section contient quelques conseils sur la meilleure façon d'aborder ce type d'exercice. Trop souvent, souvent, il ne suffit pas de mettre en place un tableur, de cliquer sur les principaux postes du compte résultat déterminant l'ébita ou le résultat opérationnel si des amortissements sont également à prévoir, puis de faire croître l'ensemble de ces postes à taux fixe. Cela peut être raisonnable en soi, mais implique des hypothèses déraisonnables lorsqu'il est appliqué systématiquement. Au lieu de cela, les lecteurs devraient acquérir une compréhension complète de l'entreprise et en particulier de ses principaux moteurs et marges, construire des scénarios de croissance, ainsi que les éventuelles réactions de la concurrence, de l'environnement, de la conjecture économique internationale, etc. Établir des projections et analyser de la cohérence de la politique économique. Et stratégique de l'entreprise, par exemple son investissement est-il suffisant Pour cela, les analystes financiers ont développé le concept de résultat normalisé, c'est-à-dire qu'une entreprise donnée, pardon, dans une dans un secteur donné doit réaliser une marge opérationnelle de X Ce type d'approche est tout à fait conforme à la théorie financière qui stipule que dans chaque secteur, la rentabilité doit être proportionnée au risque du secteur et que tôt ou tard ces marges seront atteintes, seront atteintes même si les ajustements peuvent prendre un temps considérable, c'est-à-dire cinq ans ou encore plus, en tout cas beaucoup plus longtemps que sur les marchés financiers. Mmh. Quels facteurs influencent la taille de ces marges On ne peut répondre à cette question qu'en termes qualitatifs. Et en procédant à une analyse des forces et faiblesses stratégiques de l'entreprise qui sont toutes liées à la notion de barrière à l'entrée, le degré de maturité de l'entreprise, la force de la concurrence et la qualité des autres acteurs du marché, l'importance des facteurs commerciaux tels que la part de marché, les marges, les réseaux de distribution, etc., le type de procédé industriel et les gains de productivité incrémentaux. Cette approche est utile car elle tient compte des fondements économiques des marges. Son inconvénient réside dans le fait que les analystes peuvent être tentés de négliger la marge réelle de l'entreprise et de se concentrer davantage sur ses marges théoriques futures. Nous ne saurions trop insister sur l'importance d'énoncer et de vérifier explicitement la signification de toutes les prévisions. Donc voilà, on récapitule dans ce chapitre. Principalement, on a vu la relation et l'équation du seuil de rentabilité, du chiffre euh, d'affaires critique ou euh, du poids mort qui stipule que l'entreprise commence à réaliser de profit dès qu'elle atteint ou dès qu'elle couvre ce cofix. Comment cela C'est grâce à la, euh, à la relation résultat net est égal chiffre d'affaires moins covariable moins co cest C'est-à-dire que le euh, chiffre d'affaires moins covariable doit être égal au co fixe si on veut avoir un résultat net est égal à zéro et si on considère une quantité Q et un prix de vente moyen P et un coût unitaire variable moyen V, on a Q facteur de P moins V est égal à coût fixe. Et voilà la relation très importante. Dès que l'entreprise euh, couvre ses coûts fixes, tout bénéfice qu'elle peut réaliser n'est autre que sa marge sur coût variable. Merci pour votre attention et au revoir.